Cette force grand G est la force de pesanteur de l'habit. Construit la force qui contribue au mouvement de l'habit. Pour trouver cette force, nous traçons d'abord les parallèles au plan incliné, passant par le centre de l'habit ainsi que l'extrémité de ce vecteur, comme ceci. Par ces deux mêmes points, nous traçons également les perpendiculaires au plan incliné, c'est-à-dire comme ceci. Cette force-là est une composante de la force G et cette force-là aussi. Cette première force est perpendiculaire au plan incliné et par conséquent, elle ne contribue pas au mouvement de l'habit. Par contre, cette force-là, elle est parallèle au plan incliné et c'est elle la composante de G qui contribue au mouvement de l'habit.